plus de 200 femmes musulmanes de l'organisation non gouvernementale de la Ligue des femmes pour la culture, l'éducation et la solidarité au Bénin ont reçu dans la matinée de ce samedi 30 avril 2022 des dons de kits alimentaires. Financée par El Hadj Zoubero en collaboration avec cette ONG, cette œuvre de charité vise à soulager la peine de ces braves dames face à la charité de la vie et de surtout leur permettre de passer de bons moments de fête de l'aide qu'elles font avec leur famille. Ils sont venus ici pour qu'on puisse les partager un peu des choses pour que les femmes puissent bien fêter. Il y a du sucre et du riz encore. On a choisi les femmes parce que c'est les femmes qui prennent soin de la maison. Et c'est les femmes qui s'occupent de la maison. C'est à cause de ça on a choisi les femmes. Et encore, c'est les femmes qui souffrent trop à la maison. On veut que toutes les musulmanes puissent bien fêter. Si on a partagé ça à les femmes, on sait que les femmes vont préparer ça à la maison et tout le monde va manger. Comme ça, la fête serait bien. Quoi de plus merveilleux de recevoir des présents des personnes de bonne volonté en cette période où le prix des produits alimentaires connaît une hausse vertigineuse sur le marché. Pour les bénéficiaires, ce don vient à point nommé et annonce d'ailleurs une belle fête de Ramadan. Oui, nos impressions sont bonnes puisque on ne s'y attendait pas à ce don au jour d'aujourd'hui. Ça nous réjouit beaucoup puisqu'on ne s'y attendait pas et avec le temps qui court là, ça c'est un grand compliment pour nous. Avec ce don, nous savons que la fête aura lieu, la fête aura bel et bien lieu. On va bien fêter dans la joie. La fête sera belle parce qu'il y en a parmi nous qui n'ont pas pu faire quelque chose pour les enfants, surtout les enfants. Quand le jour de la fête, quand il n'y a pas ça là, les enfants ne sont pas contents. Donc on est très contents de ce qu'il a fait. Dieu nous garde, nous tous, que Dieu le garde et qu'il fasse mieux que ça l'année prochaine. Occasion pour la présidente de cette organisation qui œuvre pour l'épanouissement des femmes de remercier le partenaire grâce à qui ce don a été possible et de souhaiter par anticipation une agréable fête de Ramadan à ces femmes. Nous remercions El Hadj Zoubero pour tout ce qu'il fait pour les femmes, parce qu'il fait beaucoup pour les femmes. Maintenant, les temps de pèlerinage aussi, il donne Hajj gratuit à les femmes aussi. Comme dans le Ramadan, il donne le manger gratuit à les femmes aussi. Tout ça là, on est en train de prier à Dieu que ça puisse continuer toujours comme ça. On est en train de la remercier quand même pour tout ce qu'il fait pour les femmes au Bénin. Que je peux dire, je profite pour dire à toutes les femmes bonne fête. Après ces femmes, la présidente de la Ligue des femmes pour la culture, l'éducation et la solidarité au Bénin a effectué le déplacement du centre-ville de Parakou pour également partager ses vivres avec les nécessiteux. Une manière pour elles de semer aussi la joie dans leur cœur et de leur permettre de passer de bons moments de réjouissance comme tous les autres fidèles musulmans.